c'est pour un petit tour de magie, donc on va faire un tour de magie. Alors, il y aura les explications à la fin. C'est parti. Alors, il va y avoir trois as. Donc, si vous pouvez le voir, il manque l'as de cœur. Donc, on va essayer de retrouver. Donc, vous allez me dire un chiffre. Donc, je suis en compagnie de Enzo. Salut, Enzo. Salut. Dis-moi un chiffre entre 11 et 20. 15. Alors, on est parti pour 15. Donc, on va... Donc, je vous dirai après les explications. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, ce tas-là, celui-là, on le pose. Donc, 15, ça fait 5 plus 1. Donc, ça fait 6. Donc, on va compter 6. 1, c'est pas celui-là. 2, 3, 4, 5, 6. Et la sixième, c'est l'as de cœur. Maintenant, nous allons passer aux explications. Alors, les explications. Nous mettons les trois. Alors, déjà, nous mettons l'as de cœur. Nous cherchons l'as de cœur. Donc, il est où l'as de cœur? Il est là. On le met à la dixième place. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on met l'as de cœur à la dixième. Ok. Et on met après les trois autres as au début. Et on fait aux gens avec qui vous êtes. On fait, alors là, il y a les trois as. On les pose. On le demande de donner un chiffre. Il va dire entre 11 et 20. Il va dire 17. On va dire qu'il a dit 17. Donc on va compter. Non, on va dire qu'il a dit 13. Vous pouvez faire avec tous les chiffres, ça marchera. 13. Alors on va compter. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est parti. Celui-là, on le laisse. Hop, maintenant nous prenons celui-là où on a compté 13. Donc 13, ça fait 3 plus 1, donc ça fait 4. On va compter 4. 1, 2, 3, 4. Et c'est l'as de cœur. Merci de vous abonner et de liker. Salut, salut!